sociale, la partie bleue, la part des revenus qui pourraient être des actifs, et puis le solde en haut. Slide, s'il vous plaît. Voilà, par rapport aux autres revenus, le RBI peut être substitutif, comme nous l'avons vu, mais aussi additionnel ou un mélange mixte des deux. Quelle que soit l'approche de financement retenue ultérieurement, la part du RBI qui n'est pas substitutive à un revenu existant doit trouver un financement additionnel propre. Parmi les possibilités les plus intéressantes, on discute du prélèvement primaire de la part d'une part de la valeur ajoutée nette des entreprises. Celle-ci est aujourd'hui répartie entre salaire et bénéfices de l'investissement, auquel alors viendrait s'insérer une troisième part de prélèvement pour financer le RBI. Nous parlons alors là d'un financement par prélèvement au niveau primaire de la valeur produite. Une autre possibilité discutée plus récemment est l'introduction d'une micro-taxe sur l'ensemble des transactions financières économiques électroniques qui s'élèverait à ce moment-là entre 0,02% et 0,05%. Il ne s'agit donc pas d'une taxe Tobin et ne présente pas non plus le même risque de délocalisation financière. Pour bien clarifier, ça veut dire que toute transaction, même lorsque vous utilisez votre carte de crédit pour faire un achat, eh bien, il y aura cette micro-taxe, mais elle est tellement petite que par rapport à tous les flux financiers de l'économie réelle, elle est quasiment imperceptible. Par contre, on peut s'attendre que les transactions hautement spéculatives quitteront le pays du jour au lendemain, comme le trading électronique à haute fréquence. Slide. Alors, nous allons maintenant voir pourquoi est-ce qu'il est question d'introduire un RBI en Suisse. Si la Suisse est un pays vu comme riche, le quatrième mondial en termes de PIB, ou GDP en anglais, par habitant, il faut savoir que le coût de la vie y est aussi très élevé et la disparité de richesse importante. À titre d'exemple, 4% de la population possède les 60% de la fortune du pays. Slide. Avec la quatrième révolution industrielle, les changements dans les modes de production comme l'automation, la robotique, l'intelligence artificielle, l'économie collaborative ou la mise au travail des clients, le PIB du pays est dégagé avec de moins en moins de besoins de travail humain. Depuis la fin des 30 glorieuses vers les années 80, il n'y a plus eu de plein emploi en Suisse et le taux d'emploi commence à progressivement diminué. Il y a des projections d'études, notamment d'Oxford, on en a discuté aussi au forum de Davos, qui table sur une disparition d'emplois jusqu'à 49%, enfin ça c'est le chiffre de l'étude d'Oxford, d'ici 20 ans. Et très peu d'autres nouveaux emplois seraient créés en contrepartie et des emplois hautement qualifiés. Une pression à la baisse sur l'emploi et les salaires augmente la disparité de la richesse. La part entre bénéfices et investissements change au profit du premier. Slide. Les nouvelles technologies demandent à la fois moins de main-d'œuvre et des qualifications plus élevées. Le chômage réel est en augmentation, en particulier chez les moins de 25 ans, souvent contraints d'accumuler les stages non payés pour pouvoir faire valoir une expérience professionnelle, et chez les plus de 50 ans devenus périmés sur le marché de l'emploi. 50% des femmes, par exemple. Comme dans de nombreux autres pays, les statistiques officielles suisses du chômage masquent une réalité nettement moins avantageuse. Slide. Elles ne tiennent compte uniquement des personnes en chômage temporaire, soit la durée du droit aux indemnités de l'assurance chômage obligatoire qui est au maximum de 2 ans. Après, les chômeurs sont pris en charge par l'aide sociale, autrement nommée l'assistance publique, s'ils y ont droit et sortent complètement des statistiques. En chiffres, 3,6% de la population reçoit des indemnités de l'assurance et sont classés officiellement comme chômeurs, et 4% reçoivent l'aide sociale. Si l'on tient compte des chômeurs officiels, de la part des chômeurs de longue durée à l'aide sociale, des personnes qui ne trouvent pas d'emploi mais dont la situation de fortune personnelle ou de ménage ne leur donne droit ni à l'un ni à l'autre, le chômage réel en Suisse pourrait bien dépasser les 10% de la population. La baisse du revenu des salariés et l'apparition d'indépendants précaires projetés dans l'auto-entrepreneuriat par manque d'opportunités d'emploi entraîne une réduction progressive du pouvoir d'achat de la classe moyenne. Cette réduction, à son tour, baisse la demande de production et augmente la pression sur l'emploi. Les conséquences sur les prix à la consommation sont une tendance déflationniste qui préoccupe la Banque nationale suisse aujourd'hui. Slide.
Certains économistes proposent une distribution d'une part du bénéfice de la création monétaire nationale sous la forme d'allocation directe à la population pour relancer la consommation et stabiliser la monnaie, la fameuse monnaie hélicoptère de Milton Friedman. Slide. Dans ce contexte général de baisse de l'emploi, le système d'assurance sociale basé sur les cotisations salariales ne peut plus être financé à terme. Déjà aujourd'hui, le premier pilier de la retraite ne trouve plus de financement suffisant. Les solutions proposées sont d'augmenter les cotisations salariales ou de retarder l'âge de la retraite. Mais le premier aurait le défaut d'augmenter le coût du travail, alors que le second reviendrait surtout à augmenter le chômage chez les seniors. Slide. Longtemps considéré comme une utopie, le RBI se profile aujourd'hui en tant que solution non seulement plausible, mais aussi indispensable sur le plan social et économique. Il permet de garantir le minimum vital de toute la population à tout âge, indépendamment du pourcentage de travail humain nécessaire à la production de la valeur. Sur l'image, là, vous voyez une représentation graphique de notre billet, de notre coupure de 10 francs qui a été revisitée pour faire la promotion du RBI. Nous la distribuons sous la forme de petits stickers et aussi sous la forme de grands drapeaux pour mettre sur les balcons ou les fenêtres. Je vous la montre. Et j'ai le plaisir d'offrir cette pièce-là au Sénat mexicain pour le remercier de son invitation. Nous en avons déjà parlé avant, mais je vais quand même résumer un peu quels sont les avantages qu'on attend du RBI en Suisse, mais ça rejoint à peu près ce qui a été déjà dit. Slide. Comme le RBI est versé, quels que soient les autres revenus, il n'a pas d'effet de seuil. Tout revenu supplémentaire s'y additionne. Contrairement au filet social conventionnel, ce n'est donc pas un filet dans lequel on se prend les pieds, comme vous le voyez à gauche, mais un socle de sécurité qui favorise l'insertion et l'activité, comme à droite. Allocation unique versée sans condition, il permet de simplifier et de réduire drastiquement les coûts de l'État social, tout en éradiquant la pauvreté. Il supprime le contrôle social et le sentiment de honte ou de culpabilité chez les personnes qui doivent solliciter des prestations. En Suisse, voire en Europe, jusqu'à 50% de la population ne réclame d'ailleurs pas les prestations auxquelles elles auraient normalement droit. En leur donnant la possibilité de refuser un travail, le RBI renforce le pouvoir de négociation des salariés. Il devient possible de choisir un travail qui correspond à son envie de contribuer à la société. Les entrepreneurs y gagnent de leur côté des employés plus motivés parce qu'engagés sur une base volontaire. Ils sont aussi déchargés de leur responsabilité de faire vivre les gens, ce qui leur permet plus de souplesse dans l'organisation de leurs besoins en travail. Slide. Le RBI apporte la base de sécurité économique qui favorise le lancement d'activités indépendantes et la création d'entreprises, les start-up innovantes, qui contribuent au développement économique. En servant d'allocation aux études universelles, le RBI soutient et démocratise la formation à tout âge, un investissement porteur pour l'avenir d'une économie. Le RBI démocratise et renforce la famille en apportant une indépendance économique à chacun de ses membres qui est cumulable au sein du foyer et permet donc des économies d'échelle au niveau des dépenses. Le RBI, pour les familles, il faut aussi ajouter qu'il introduit vraiment la démocratie au sein de la famille parce que le fait d'avoir un revenu indépendant augmente l'indépendance. On a constaté notamment lors de l'expérience d'introduction de RBI au Canada une légère augmentation du taux de divorce, ce qui montre qu'il y a un petit impact sur l'autonomie. Le RBI permet le développement d'activités même peu ou pas rentables comme le petit artisanat, l'agriculture locale, le bénévolat, les activités artistiques, culturelles ou sportives. Si son montant est le même dans tout le pays, ce qui n'est pas forcément obligatoire, mais ce serait plutôt la logique du RBI, il permet alors la péréquation financière, une répartition de la richesse entre les régions économiquement favorisées et celles qui le sont moins. En garantissant un revenu à chacun indépendamment du travail, le RBI permet à une économie de fonctionner avec moins de croissance et moins d'emplois. Il permet ainsi une transition naturelle vers un monde plus écologique, soit moins avide en ressources naturelles et moins polluant. Puisque le RBI, slide,
Voilà. Puisque le RBI a tellement d'avantages, nous le symbolisons d'ailleurs en Suisse par notre fameux couteau suisse multifonction. Donc, vu que le RBI est vraiment formidable, on va quand même passer en revue un peu quelles sont les oppositions qui se soulèvent en fait dans le débat politique. Slide. Il y a deux catégories de résistance contre notre projet, celles qui sont contre le principe même du RBI et qui sont d'ordre idéologique, moral, culturel, psychologique ou par manque d'information, et celles qui remettent en question sa faisabilité. Slide. Dans la première catégorie, souvent est mis en avant que le RBI est une atteinte à la valeur travail. En Suisse, le travail est très important. Et le peuple a par exemple rejeté il y a 4 ans une autre initiative populaire qui demandait d'étendre les congés payés obligatoires de 4 à 6 semaines. Il est plus ou moins considéré dans notre pays que la valeur morale d'une personne est déterminée par son activité lucrative. Une idée courante aussi est que le travail est nécessaire pour produire ce qu'il faut pour vivre et que ceux qui ne travaillent pas sont à la charge des autres. Slide. Mais aujourd'hui, la production de la valeur est déjà largement découplée de l'activité humaine, ne serait-ce déjà avec la spéculation et la financiarisation de l'économie. Et si nos entreprises peuvent réaliser une production compétitive sur les marchés, c'est uniquement parce qu'elles peuvent bénéficier du patrimoine d'infrastructures matérielles, d'innovation, de technologie, d'automation et du savoir acquis par nos ancêtres qui est aujourd'hui amorti et entré dans le domaine public. La valeur ajoutée d'une entreprise ne repose que partiellement sur le travail humain. Il est donc tout autant légitime de découpler partiellement le revenu du travail. Slide. De plus, selon la Confédération suisse et l'ONU, le travail accompli bénévolement qui est nécessaire à la production de la richesse dépasse de 20% celui des personnes qui sont payées. Il s'agit principalement du travail au domicile, fait principalement par des femmes, dans le monde associatif et de la formation. Le RBI apporte une reconnaissance à ce travail essentiel. Slide. Il est également objecté que si tout travail mérite salaire, tout revenu mérite travail. Recevoir un revenu sans le mériter produirait un effet nuisible sur la psychologie, encouragerait à l'oisiveté. On craint donc que le RBI décourage l'activité. Pourtant, comme vous l'aurait bien expliqué le professeur Standing s'il avait pu venir, toutes les expériences pilotes du RBI indiquent que de recevoir de l'argent gratuitement développait au contraire le sens de la responsabilité individuelle. Les gens ne deviennent pas plus oisifs, mais plus motivés pour l'activité. Ces expériences et les sondages indiquent qu'avec un RBI, seuls 2% de la population arrêterait de travailler. Slide. En faveur du RBI, l'entrepreneur multimilliardaire allemand M. Götz Werner, un self-made man, a coutume de dire qu'il est mauvais de travailler pour gagner sa vie parce qu'avec l'angoisse existentielle comme unique motivation, notre travail n'est guère productif. Il soutient au contraire que de recevoir un revenu suffisant pour pouvoir vivre est une condition préalable pour pouvoir se concentrer sur le but du travail et non seulement sur l'obtention du salaire qui nous permettra de vivre. Slide. Un revenu n'est de loin pas la seule motivation pour travailler. On travaille aussi parce qu'on aime être actif, accomplir des choses constructives, se rendre utile, tisser des liens sociaux et pour développer sa créativité. Lorsque s'éloigne l'angoisse d'obtenir le revenu indispensable pour vivre et faire vivre sa famille, les autres motivations au travail peuvent prendre plus de place. Différentes études scientifiques montrent que le travail accompli pour lui-même était nettement plus productif que le travail qui avait pour but d'obtenir une récompense. Slide. De donner un revenu à une personne sans contrepartie est un acte de confiance et d'incitation. Confiance parce qu'il n'y a ni exigence ni contrôle de résultat, et incitation parce que c'est donner un capital qui peut être utilisé pour se former ou entreprendre. Dans le domaine de l'éducation, il est bien reconnu que la confiance donne de meilleurs résultats que la contrainte et le contrôle. À l'appui de ce propos, la Finlande, qui est en phase d'introduction du RBI, comme on en parlera après moi, M. Pulkka, obtient depuis 6 ans le premier prix des enquêtes PISA qui mesurent chaque année l'efficacité de l'éducation dans de nombreux pays. La Finlande a justement un système d'éducation qui laisse une très grande liberté à ses élèves et professeurs. Les professeurs sont là avant tout pour répondre aux demandes des élèves, non pour leur imposer un programme, ni pour les évaluer avec des notes. Slide.
Notre expérience de militants nous a montré que beaucoup de personnes sont contre l'idée du RBI parce qu'elles ne sont pas suffisamment informées sur son principe et qu'elles ont le préjugé qu'il s'agit simplement de la technique de l'arrosoir, donner de l'argent à tout le monde et qu'au final, on se retrouve au même point. Dès qu'on parvient à expliquer aux personnes qu'il peut se substituer à un revenu existant et qu'il remplace une partie des prestations sociales, une grande partie des réserves exprimées se mue en envie d'en savoir plus et un début de compréhension que, bien que surprenante, l'idée n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Slide. Dans la catégorie des objections sur la mise en pratique, il y a bien sûr la question du modèle de financement et de ses conséquences sur l'incitation économique à l'insertion professionnelle. Dans le cas de notre initiative qui propose seulement un principe, ce sera au Parlement et au final au peuple par voie de référendum de le décider. Nous ne pouvons donc pas garantir exactement quel modèle sera choisi. Ce qui est en particulier craint est que le RBI soit financé par de lourds impôts qui grèveraient les classes moyennes. Autrement dit, que les actifs devraient payer pour les oisifs et qu'au final, plus personne ne voudrait travailler. Il faut dire que c'est notre propre gouvernement qui a imaginé un tel modèle de financement catastrophique pour argumenter que si l'idée du RBI est très bonne en soi, elle ne serait malheureusement pas réalisable selon lui. Cette hypothèse du gouvernement n'est pas plausible parce que le RBI que les classes moyennes reçoivent aussi les protège de tout supplément de charges fiscales qui pourrait réduire leur motivation à l'insertion. À partir du moment où les classes moyennes disposent de la liberté de refuser un travail, si ces conditions ne sont pas suffisamment attractives, tous les partis politiques se mettront forcément d'accord pour choisir un mode de financement qui préserve leur désir d'insertion professionnelle. À gauche comme à droite de l'échiquier politique, tous partagent le même intérêt à ce que l'économie fonctionne le mieux possible. Au final, ce sera nécessairement un modèle de financement qui épargne les classes moyennes d'un excès de charges fiscales qui sera choisi. Slide. La gauche politique craint qu'à cause de la droite qui est majoritaire en notre Parlement, un RBI au montant insuffisant soit introduit et qu'en même temps il y ait un démantèlement des acquis sociaux durement conquis en Suisse au siècle passé. Il y a plusieurs raisons pour que ce scénario catastrophe de nouveau ne se produise jamais. D'abord, si la droite avait la volonté de démanteler les acquis sociaux, elle aurait pu le faire déjà depuis de nombreuses années qu'elle est majoritaire au Parlement. Mais elle ne le veut pas parce qu'elle est attachée au principe de la protection sociale et souhaite conserver une paix sociale qui permette aux entreprises et à l'économie d'être performants. Pourtant, il y a bien aujourd'hui une pression à la baisse sur notre protection sociale qui n'est pas liée au RBI ou à une volonté de démantèlement. Cette pression est simplement la conséquence logique de la baisse de l'emploi, des cotisations sociales et des rentrées fiscales. Cela d'autant plus que la Suisse est aussi concernée par l'évasion fiscale telle que révélée récemment par les Panama Papers. Comme le RBI peut être financé par la valeur ajoutée et non que par la taxation du travail, il n'est pas un facteur de démantèlement, mais au contraire une nouvelle ligne de défense durable des droits sociaux. Au final, peut-être que la question que nous devrions nous poser est de savoir si nous préférons risquer un démantèlement des acquis sociaux avec ou sans le RBI. Slide. Venant surtout de la droite conservatrice du pays, une autre crainte formulée pour la mise en pratique du RBI en Suisse est le risque d'un appel d'air migratoire. En fait, la Suisse a déjà une économie très attractive et attire de nombreux candidats à l'immigration, en particulier en provenance d'Europe du Sud, de France et d'Allemagne. Comme il n'est quand même pas possible d'accueillir tout le monde, le pays régule l'immigration au travers de ses lois d'établissement et de ses accords internationaux. Ces dispositifs fonctionnent très bien aujourd'hui et continueront à fonctionner très bien avec le RBI. De plus, si malgré tout il y avait des craintes de débordement, il sera tout à fait possible d'introduire un délai de carence dans l'octroi de l'inconditionnalité du RBI. Pendant cette période, les nouveaux détenteurs de permis d'établissement recevraient alors le revenu de base sous réserve d'avoir un emploi. À défaut, il serait au même régime de protection sociale que maintenant. De toute façon, même en cas de oui à l'initiative, il faudra certainement attendre plusieurs années avant de voir sa mise en pratique se concrétiser. Notre processus politique est très lent, entre autres à cause de ces instruments de démocratie directe. Il faudra aussi changer de nombreuses lois et la distribution intérieure des ressources économiques. Il est probable que d'ici là, le RBI soit effectivement introduit en Suisse. Il soit déjà devenu une réalité concrète ailleurs, pourquoi pas au Mexique d'ailleurs. Pour conclure, l'initiative pour le RBI en Suisse a plusieurs objectifs. Slide.
Notre gouvernement étant trop occupé à trouver des solutions à la multitude de problèmes de notre société qui n'existeraient simplement plus avec le RBI, il s'agissait premièrement de faire connaître ce projet novateur en Suisse, objectif aujourd'hui atteint. Deuxièmement, les citoyens engagés en Suisse sont aussi des citoyens du monde. Ils collaborent avec les réseaux en faveur du RBI des autres pays et avec bien international. Ils souhaitent, au travers de leurs actions en Suisse, faire connaître l'idée du RBI au monde entier. Objectif également déjà bien atteint avec l'image spectaculaire de la mer de pièces de monnaie citoyenne lors du dépôt de l'initiative. Slide. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer en avant-première un autre événement spectaculaire. Nous allons produire et présenter la plus grande affiche du monde avec la plus grande question du monde. Que feriez-vous dans votre vie si vous n'aviez plus à la gagner ? L'affiche mesurera 120 par 70 mètres, sera, sauf changement de dernière minute, présentée à Genève, ville internationale, et sera l'objet d'un nouveau record Guinness. Ce sera une nouvelle fois l'occasion de faire connaître le RBI hors de nos frontières. Enfin, quel que soit le résultat de la votation, ce sera une nouvelle occasion pour le monde de s'intéresser au débat. Slide. Finalement, il y aura la votation populaire. Je dois vous avouer honnêtement que les chances de succès sont encore un peu incertaines. Comme il est rare que des projets portés par des initiatives populaires aboutissent dès la première tentative et que les moyens de nos réseaux citoyens sont limités, l'objectif réaliste est d'obtenir au moins un pourcentage suffisamment élevé de voix pour que l'initiative du RBI trouve une seconde vie dans le débat politique ultérieur. Mais qui sait, seul celui qui ne tente rien n'obtient rien. Slide. Et je terminerai en citant une phrase de Victor Hugo. Rien ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue. La question n'est plus tant de savoir si nos sociétés modernes peuvent se permettre d'introduire un RBI, mais de quand et comment elles le feront. Il est probable que les premiers pays qui pourront le mettre en place en seront récompensés en termes de qualité de vie, cohésion sociale et productivité économique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vamos a escuchar a Gabriel Barta. Thank you very much, Mr. Senator. I hope that you don't mind my expressing myself in English very briefly. We in Switzerland, and I would say the whole movement, which is a citizen movement, as Ralph has explained, are not academics. And my academic colleagues, who you have heard and will hear, can tell me if I'm wrong, but to my knowledge, there isn't very much academic activity to try and understand and research these questions in Switzerland. There is, thank goodness, a great deal in other countries. Both Ralph and I, then, represent a citizen movement made up of very different kinds of people. You can tell already because he spoke in French and I'm speaking in English. We are, most of us Swiss, but the activity, of course, is not limited to citizens. However, signing an initiative or voting is, in almost all questions today, limited to citizens and not residents. I would make two very brief points in the political context, and I will try, even though I don't know Mexico, unfortunately, to make them relevant to Mexico. The first is that a basic income is seen by many, and by your own speakers at the beginning, as a redistribution mechanism. I think we must be careful of the concepts that we use in this context. The basic income is not fundamentally a redistribution mechanism. It is fundamentally a way of preventing absolute poverty. The two are not the same. And you'll see that if you ask us a little about our Swiss experiences in the Swiss campaign that we're conducting at the moment. Because in Switzerland, even among parties which say that they are of the left, there is minimal support for redistribution in general. It is not true in Mexico, and it is not true in many countries which are equally well off as Switzerland is. It's perhaps an accident, or it's perhaps because of the conservatism of the Swiss.
If we tried to make a campaign for the basic income as a redistributive mechanism, we would have practically no success. A part of that same point is that many of those who support the basic income in Switzerland, including many, many of the activists, the people who are actually leading campaigns in different parts of Switzerland today, would be horrified to be told that they were in favor of something that was redistributive. What they want, and what I think we should look at fairly firmly as the basic goal of a basic income, is the liberation of the individual from many kinds of constraint. One of the obvious constraints is poverty, but poverty is a second order constraint. The primary constraint is not having enough to eat, not having enough daily liberty to do what you want, but being compelled by circumstances to do things that you don't want to do otherwise. This is obviously directly relevant to the goal of poverty reduction in Mexico and in many other countries, but it's directly relevant because of the circumstances. In Switzerland, poverty reduction is a goal, but it's not the primary goal of the basic income. In some measures, there are 900,000 out of 8 million, so something like 11% of the Swiss population, which is at least threatened by poverty. So we're not talking about a country which doesn't have a poverty problem, but we are talking about a country which, like your own, imposes many rules on the individual, and we are convinced, those who are in favor of the basic income, that many of these rules are unnecessary. The condition rules for social security payments are in many, many, many cases in our own country, and in many, many cases in all countries, unnecessary. I'm not saying all the conditional rules for social security are necessary, but many, many, many of them are. And one telling demonstration by the negative of this fact is that 50% of the people who would have the right to demand some kind of social security payment in Switzerland, in some regions of Switzerland, choose not to demand that. So clearly those conditions are totally obviously ineffective because people choose not to conform to the conditions. So what was the original design behind the social security payment that is actually not being made? Something wrong somewhere. And the other point I wanted to make was that the difference, we are being hosted by your major institute of legislative research, and I believe that's an excellent thing, because we are a citizen movement in Switzerland, but that doesn't mean that we don't recognize the importance of our democratic legislative procedures. And that actually explains one of the things that we hear as blame from some of the people in Switzerland. Why didn't you make your initiative more specific? Why didn't you say how it should be financed? Why didn't you fix the amount, since we sort of know how much money you need in order to live? And the reason for all that is that it isn't our job. It's the Belisario Institute's job, among others, to help the parliamentarians decide on the right rules, which will not have unintended side effects, which will not do harm in ways that were not anticipated by the poor, simple people who just want a basic income. And we consciously limited ourselves. I'm a member of the Initiative Committee in Switzerland. We consciously limited ourselves on this text to what is relevant in a constitution. And I believe that clarity on the level of what belongs to the people, what belongs to the legislative, what belongs in the constitution, and what belongs to the government is necessary in order to not to make mistakes with the basic income. So I'm very happy that the Belisario Institute is looking at this seriously. Thank you. That's all I wanted to say. Muchas gracias a Gabriel Bartra. Vamos a escuchar ahora los comentarios de Mauricio de María y Campos. Él es director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social, licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Desarrollo Económico por la Universidad de Sussex en Reino Unido. Es director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana. Ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan
subsecretario de Fomento Industrial en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, director general de Promoción Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y director general de Inversiones Extranjeras en la Secretaría de Industria y Comercio. En su experiencia diplomática, ha ocupado los cargos de embajador de México ante Sudáfrica, embajador para proyectos especiales y asesor de la Subsecretaría de Naciones Unidas en África y Medio Oriente, representante personal del Presidente de la República en el G16 y director adjunto y director general en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Actualmente es miembro de la sección mexicana del Club de Roma y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, del Consejo de Asuntos Estratégicos y Negociaciones Internacionales, CAENI, y del Centro Tepoztlán. Démosle un aplauso a Mauricio de María y Campos. Bueno, pues muy buenas tardes. Primero que nada, quisiera agradecer al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y a la Comisión Económica para la América Latina por esta invitación y felicitarlos pues de una manera muy entrañable por haber decidido establecer este foro que está siendo muy interesante y promete serlo hasta su conclusión. Primero que nada, nada más quisiera hacer una pequeña aclaración. Ya desde hace un año no estoy en la Universidad Iberoamericana. Desde hace más de un año estoy como investigador asociado en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México y soy presidente del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi AC. Simplemente para que no se me acuse de usurpar ningún tipo de título. Un pequeño problema de comunicación. Bueno, mi tarea, espero hacerla breve, pero sí quisiera comentar que cuando inicialmente se me invitó a este seminario, había la intención de que pudiéramos tener una presentación, por ejemplo, del caso de la India, de la experiencia regional que se ha tenido en la India, y no fue sino hasta muy recientemente que me enteré de que tenía yo que comentar el caso de Suiza. No me preocupa demasiado el planteamiento en cuanto a que ciertamente pues he tenido la oportunidad desde hace muchos años de seguir los trabajos académicos y las experiencias que se han tenido en diversos países en lo que se refiere al tema de la renta básica o el ingreso único universal. Entonces, en ese sentido, lo que voy a tratar de hacer con ustedes en mis comentarios son dos cosas. Por un lado, ciertamente, dar algunos antecedentes que nos permitan pues ver hasta dónde, entre el caso mexicano y el caso suizo, pues tenemos algunas diferencias pues sumamente importantes, pero particularmente si nos vamos a un rango más amplio, pues como les mostraré a continuación muy brevemente, pues cuando hablamos de la experiencia en la India, en Madhya Pradesh, una de las regiones más pobres del mundo, en uno de los países más pobres, la situación pues puede verse en un contexto muy diferente, pero lo importante es que todos tenemos algo que aprender precisamente de las distintas experiencias y a mí me da enorme gusto, quiero decirlo, ver que pues se ha avanzado tanto en países como Suiza, como Finlandia recientemente, pues como para estar al borde de ver experiencias nacionales completas. La idea de asegurar un ingreso ciudadano universal a los habitantes de una nación ha estado rondando pues desde el siglo pasado en los planteamientos sociales pues de un Bertrand Russell, de André Gorz,
el mismo Martin Luther King, y aquí se mencionó por parte de nuestro amigo Reventos Galbraith, ¿verdad? Plantearon esta temática o esta posibilidad. Amartya Sen, al que también tuve la oportunidad de conocer, no hay duda que ha estado en la avanzada del tratamiento de estos temas. Pero la cuestión no ha sido nada más una cuestión que pudiéramos plantear a nivel académico o de las ideas, de las grandes ideas. Como ya se dijo aquí, pues se han puesto en marcha en Alaska, en Manitoba, Canadá, y en algunas regiones de países europeos como Bélgica, incluso africanos como Namibia, pues experiencias muy interesantes de las que se están nutriendo estas nuevas propuestas que ahora están llegando a su culminación o pretenden llegar a ella, como sería el caso de las de Suiza y de Finlandia, que se planteará a continuación. Lo que yo quisiera destacar es que en el mundo ha sido a partir de la crisis económica del 2008 que yo veo que se han multiplicado los foros y que esas ideas que ya discutíamos antes de 2008 han llegado a un momento pues de mayor maduración. ¿Por qué? Porque creo que a partir de la crisis de 2008, que ha sido la más grande desde la Gran Depresión, lo que ha quedado claro es que los esquemas del pasado ya no funcionan como antes, que son necesarias reformas fundamentales en las políticas económicas, pero también en las políticas sociales. Y que en buena medida pues tenemos que replantearnos cómo satisfacer de manera humana, de manera social, esas necesidades básicas de la población, en donde obviamente seguimos pensando en empleos y salarios remunerativos, pero en donde estamos observando al mismo tiempo pues que cada vez más, como ya se dijo aquí también, hay una mayor seguridad en el empleo y los salarios. En muchos países se han establecido esquemas, incluso en México, de mayor flexibilidad laboral. Nos gusten o no nos gusten, el impacto del cambio tecnológico ahorrador de mano de obra ha sido muy importante y va a ser más importante a futuro. Y lo que está claro es que el número de personas que se autoemplean y que están en la economía informal está en crecimiento en general en los países, y todo eso está generalizando pues una incertidumbre cada vez mayor respecto a de dónde van a venir mis ingresos mínimos para llenar mis necesidades sociales básicas. Creo que lo que es muy claro es que el esquema, y en el caso de Suiza, lo que nos han relatado está muy claro, parte de la base de que todas las personas deberían tener asegurado un mínimo de ingreso y bienestar económico y social, independientemente del trabajo que realicen, el lugar donde vivan, de su calidad personal y de los cambios, y esto es muy importante, en el entorno económico y social que pueden generarse a futuro y se están haciendo ya en muchos casos realidad. Se argumenta también con frecuencia que la caída o el deterioro del estado de bienestar requiere un sustituto eficiente en países desarrollados, pero es importante que en países pobres también los programas de transferencias sociales, los programas de atención social y sobre todo de transferencias condicionadas, pues están mostrando muchas limitaciones, son frecuentemente ineficaces, injustos, burocráticos y costosos. No en balde, entonces, en estas circunstancias, en el Reino Unido, el Partido Verde ha adoptado el concepto de ingreso ciudadano como principio básico de su plataforma electoral. En Escocia está la famosa Fundación Jimmy Wright, que ha emitido un informe muy interesante que les recomendaría leer, In Place of Anxiety, en vez de la ansiedad,
que plantea precisamente la necesidad de establecer un ingreso ciudadano universal como nueva forma o nuevo enfoque frente a la problemática social. Y existen pues una serie de esfuerzos que gracias precisamente a reuniones académicas y a foros como estos están presentando ya algunos resultados. Yo quisiera, antes de entrar al caso suizo, mencionar que dos casos que me parecen muy interesantes, uno en país desarrollado, otro en un país en desarrollo, que están en estos momentos pues presentando, por un lado, cambios muy saludables, muy interesantes, y por otro lado también las limitaciones de los programas de esta naturaleza. En Canadá se aprobó ya un programa piloto en la provincia de Ontario, a partir precisamente de la elección de Justin Trudeau a la presidencia. La iniciativa ya se incluyó en el presupuesto 2016, en términos financieros, y leo, se dijo que el gobierno trabajará con las comunidades, los investigadores y otros sectores, utiliza la palabra stakeholders en inglés, en el desarrollo de un proyecto piloto de ingreso básico que va a examinar las posibilidades entonces de un concepto que es este ingreso básico universal, precisamente a partir de las experiencias exitosas de las políticas de salario mínimo y de lo que ha venido sucediendo en los distintos programas sociales. Hay un dato interesante de Canadá que yo quisiera destacar. Dice que el trabajo temporal y a tiempo parcial ha crecido a una tasa del doble que los empleos de tiempo completo entre 1997 y 2015. Y que hoy en día el autoempleo es mayor. ¿Es el ingreso básico universal una solución? Pues parece ser que en Canadá, y por lo menos en la provincia de Ontario, están convencidos y dispuestos a experimentar. Y es muy interesante ver que en Quebec el primer ministro Philippe Couillard ha declarado también que el ingreso básico podría ayudar, dice, a simplificar el sistema de bienestar e incentivar el trabajo entre los desempleados. Está el caso de Finlandia, pero que vamos a tener a continuación, no me meto en él, aunque indudablemente que vale la pena comentarlo, valdrá la pena comentarlo y compararlo con lo que está pasando en Suiza, porque también se trata de un país de muy alto nivel de ingresos, y donde, por ejemplo, la cifra que se ha dado para lo que sería el ingreso básico o la renta básica sería de 800 euros. Estamos hablando de niveles muy distintos de los que podemos esperar en cualquier país como los nuestros, obviamente. Pero creo que atendiendo a problemáticas similares como las que antes hacía referencia en otros países, pues ciertamente en el contexto, repito, de Finlandia, pues parecería que están dispuestos a dar una renta básica que sea, según insisten, ligeramente menor a lo que sería el ingreso necesario para resolver las necesidades básicas en materia de alimentación, vivienda, etcétera. El planteamiento es que la renta básica sirva para satisfacer esas necesidades fundamentales, pero que no desincentive la búsqueda del empleo. Entonces, si no se tiene el ingreso suficiente, habría que buscar empleo de todas maneras, de alguna manera. Pero un segundo caso que yo quería traer a colación es mucho menos conocido y apenas lo pude estudiar un poquito hace unos días. Es el caso de Irán. Nadie piensa en el caso de Irán. Pero Irán, en 2010, durante el segundo mandato del presidente
Ahmadinejad, y contando con precios altos del petróleo, algo similar a lo que pasó en Alaska antes, y con ingresos anuales, pues por ese concepto de petróleo energético de 70 mil millones de dólares, implementó un esquema de ayudas en efectivo a la población, a toda la población, y eso es muy interesante, para compensar la retirada gradual de los subsidios energéticos, y desde entonces se dijo asegurar ciertos mínimos de bienestar. Esta iniciativa o esta práctica pues lleva cinco años operando, y ahora el Parlamento pide al actual presidente Rouhani que, para balancear el presupuesto, porque se ha caído el ingreso petrolero, se retire el subsidio en efectivo a una parte de la población, o sea, dejaría de ser universal. Y concretamente se hace la referencia a que se le retire gradualmente a jueces, académicos, empresarios, funcionarios públicos y diputados, con un ingreso mayor, los que tengan un ingreso mayor a unos 9.000 euros anuales. Claro, la medida lo que pretende es paliar la caída de los ingresos del crudo, y lo quiere hacer gradualmente, eliminando del sistema de beneficiarios a unos 700.000 iraníes por mes, hasta afectar a 24 millones. Pero lo que leía yo todavía hace dos días es que, bueno, este esquema parece complejo de aplicar. ¿Por qué? Porque hay obviamente ya un antecedente, ya una costumbre, y aunque se asevera que en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, ¿verdad?, de Irán, no debería ser un problema, en ciudades pequeñas y en las zonas rurales, donde predominan las familias numerosas y el impacto es mayor, pues ahí sí la eliminación de este beneficio podría ser muy seria. Surge además un interesante problema de cómo identificar a los iraníes que no justifican ya el subsidio. Pero no voy a meter ese detalle, solamente les diría que es muy divertido ver que cuatro argumentos se están utilizando para eliminar a muchos de este ingreso básico. Son la profesión y empleo que tiene la persona, segundo, el automóvil, tercero, si tiene automóvil o no, tercero, el domicilio, y cuarto, la transferencia de titularidad de bienes inmuebles. En fin, claro, la idea es que de estos recursos liberados, lo que se haría, y eso se ha dicho, es no compensar, dice la CAI, de los ingresos presupuestales, aunque ese parecería ser el objetivo, sino que se destinarían a planes para reducir la pobreza y la desigualdad. Bueno, ¿por qué quise plantear todo eso antes de entrar a hablar del caso suizo? Porque creo que, primero, es claro que en los países imperan situaciones muy diversas. Hay programas sociales y prestaciones también muy diversas a las que están acostumbradas las poblaciones. Y obviamente, cuando se empieza en un ingreso mínimo, las cantidades pues son muy diferentes. Si analizamos el caso concreto de la India, de Madhya Pradesh, en donde pues se realizó una experiencia grande, pero pequeña en relación a la población total, por supuesto, de la India, ahí durante 2011-13 un conjunto de 9 poblaciones tuvo este programa patrocinado por UNICEF, sobre todo orientado a las mujeres, a programas de autoayuda de mujeres, pero la renta básica fue de 2 a 3 euros por mes por habitante. Algo muy distinto de lo que está pensando, obviamente, en Finlandia, o de lo que estoy seguro se establecería en Suiza. Sin embargo, el estudio es muy bueno, es decir, los resultados obtenidos son muy buenos, y esto es lo que a mí me gustaría destacar. Porque el informe muestra que esta ayuda en efectivo, independientemente del salario, la ocupación, el género, la casta, dice,
o la clase social, que se dio en sustitución de ayudas en especie, de alimentos, querosina y otras ayudas, cambió la vida de la población. Y, esto es muy importante, no desincentivó su trabajo ordinario. Por el contrario, permitió a los habitantes emprender acciones, dice, más audaces como empresarios. Eso de que se van a volver más flojos no se aplicó. Sino que, de alguna manera, resumiría yo diciendo, la renta básica se convirtió en un detonador de energía, de riqueza, y desató pues una serie de factores que estaban ahí durmientes para activar a la población. Por supuesto, se requirió de una organización comunitaria, capacitación, asesoría técnica, pero lo que el programa de la India nos dice es que en un país en desarrollo y en los sectores, en las poblaciones más pobres, pueden establecerse esquemas que generen entonces mejores resultados. Cuando escuché entonces, y aquí entonces voy a tratar de ser breve, el caso de Suiza, pues no solamente le doy la bienvenida, sino que veo que realmente, en términos de lo que es Suiza, se piensa en un esquema que parecería y debería ser alcanzable. Claro, como ya se dijo aquí, como ya nos dijeron nuestros amigos suizos, el nivel de ingreso per cápita actual y yo diría también las condiciones relativas de equidad, a pesar de que también Suiza tiene sus problemas, como todos los países, de creciente inequidad, pues hacen prever que un seguro de esa naturaleza podría presentar una serie de ventajas importantes. También hay que considerar, no solamente está el hecho de que pudiera sustituir, y aquí viene la gran duda que se planteaba, hasta dónde va a sustituir y hasta dónde va a complementar esquemas ya existentes. El caso del seguro del desempleo siempre es uno de los elementos. ¿Perdón? El caso del seguro del desempleo sería uno de los más importantes. Pero creo que la formulación que se nos hace sí tiene una serie de ventajas muy importantes, que aún en el caso de Suiza se está pensando en que cualquier ciudadano, sin ninguna excepción, pudiera obtenerlo. Y esto es algo importante en un país con el nivel de ingreso per cápita que tiene, pero también, como se dijo aquí, con niveles de inmigración que son significativos. Creo que, sobre todo, lo que puedo ver de la presentación que se nos hizo es que sí permitiría algo que es muy importante, una mucho mayor flexibilidad en el trabajo, y haría posible reducir la ansiedad, reducir la incertidumbre que se presenta, sobre todo ante el cambio tecnológico y la amenaza que existe de que cada vez más pues pudiera presentarse un desempleo, entonces, por razones tecnológicas, con las estructuras actuales de empleos que tiene Suiza. Claro, la cuestión que es muy importante, como se dijo aquí también, es qué puede hacerse dentro de un esquema de esta naturaleza y qué medidas adicionales podrían plantearse para que precisamente no solamente el ocio en términos tradicionales, sino la cultura, las artes y algo muy importante, la atención social, no solamente a la tercera edad, a los discapacitados, a los enfermos, pueda ser motivo pues de algún tipo de reconocimiento y,
y de ingreso adicional para los habitantes suizos. Y este es un problema, obviamente, en una sociedad con una alta proporción de la población en la tercera y cuarta edad. Pero yo creo que se plantea, es una cuestión que se plantea en cualquier sociedad, incluyendo la mexicana. Lo que está muy claro en el caso de México, por ejemplo, es que hacia 2020, hacia 2030, lo decía la presidenta del Colegio de México en una sesión reciente del Centro Tepoztlán, nos vamos a encontrar con una población mucho más longeva, con mayores enfermedades crónico-degenerativas, con necesidad de un ingreso, con necesidad de una atención en una sociedad que está cambiando, que ha cambiado radicalmente, pero va a seguir cambiando, cada vez más urbana, a veces con familias unicelulares, unipersonales. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo vamos a atender esta problemática? Creo que aquí Suiza y algunos países desarrollados europeos tienen más que enseñarnos respecto a cómo se pueden combinar estos esquemas. Y solamente me restaría señalar que los elementos y las ventajas que se nos han planteado en esta ocasión, pues espero que sean debidamente considerados por la población suiza ahora en este referéndum, y que si no se puede lograr el resultado inmediato, pues que se vea como una etapa, como un paso fundamental en ese sentido. Pero me parece que este es un terreno del que podemos aprender todos mucho, pero que también, debo decirlo aquí, presenta un problema o una interrogante grande respecto a la cooperación en el mundo. Es decir, no solamente es un hecho que la distribución del ingreso ha empeorado, o pongámoslo al revés, que hay una mayor concentración dentro de los países, sino también entre los países tenemos un problema serio, como lo estamos viendo actualmente. Comenzando por las migraciones que están ocurriendo hacia Europa. Entonces, ojo, mi punto es, hay que analizar este problema en un contexto nacional, es decir, regional dentro de los países, nacional, pero también mundial, porque tenemos una problemática que ya llegó la hora de atender. Precisamente cuando traté de ponerle un título a mi nota que había elaborado originalmente, pregunté algo similar a lo que se dijo hace un momento. Llegó la hora de explorar y poner en marcha programas de renta básica en el mundo y en México en particular. Yo espero que en este caso el Congreso mexicano y el Senado en lo particular que nos ha invitado, pues puedan avanzar en esta discusión y aprovechar las ventajas que ofrece un programa de un ingreso universal, básico, como el que algunos de nosotros y muchos otros han estado planteando. Sé que hay algunas iniciativas ya en marcha y otras más aquí que seguramente se presentarán en un futuro próximo. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, maestro Mauricio de María y Campos. Vamos a darles un reconocimiento, si son tan amables. A Ralph Conling. A Gabriel Barta. Y a Mauricio de María y Campos. Pero nos han dado muchas ideas para promover esto en México. Quisiera que nos tomáramos una foto todos con esta, que es una de las ideas. ¿Okay?